en carte d'électeur. Nous exigeons de pouvoir exercer un droit constitutionnel. Et dans une démocratie apaisée qui se respecte, c'est le minimum qu'on puisse exiger. Le président Macky Sall a pris 50 milliards de nos pauvres francs pour confectionner les cartes d'électeur. Et aujourd'hui, le président Macky Sall refuse de nous donner nos cartes d'électeur. Il n'y a aucune démocratie au monde qui se respecte où un État se permet d'injecter 50 milliards de francs CFA. Ensuite, viennent vous dire que malheureusement, on ne peut pas voter avec des cartes d'électeur. On votera avec des récépissés, des permis de conduire. Pendant qu'on y est, on peut aussi voter avec des cartes de prostituées. Est-ce que vous considérez que le scrutin sera transparent ? Non, pas du tout. Le président Macky Sall se sait déjà perdant. Et aujourd'hui, malheureusement, il refuse les règles du jeu. Il cherche à changer les règles du jeu pendant le jeu. Et ce qui lui reste aujourd'hui, c'est d'exercer la violence sur le peuple sénégalais qui n'existe qu'une seule chose, c'est de pouvoir exercer un droit constitutionnel. Vous êtes prêt à accepter les résultats du scrutin ? Nous n'accepterons pas que la loi électorale soit violée. La loi électorale est claire, elle dit qu'il faut être muni de la carte d'électeur pour pouvoir exercer le droit constitutionnel. Un permis de conduire, un passeport ou une photocopie ne peut aucunement être utilisé pour exercer le droit de vote. Le président Macky Sall est en train de changer les règles du jeu. Le président Macky Sall est en train de semer les germes de la violence et aujourd'hui, il faudrait que l'opinion nationale et internationale comprenne que nous sommes déterminés en tant que peuple sénégalais à exercer notre droit de vote, qui est un droit constitutionnel une fois de plus. Comment vous faites campagne avec votre tête de liste incarcérée ? Avec la tête de liste incarcérée.